Je suis Oleg de Normandie, ingénieur, et j'ai craqué le code des pyramides. La quête des pyramides, c'est la quête d'un mystérieux pouvoir. De vieilles légendes racontent que jadis, les dieux ont caché un pouvoir secret sur Terre. Son emplacement n'est révélé que par un message crypté. Les dieux ont déposé ce message de manière à ce que leur pouvoir ne soit utilisé qu'en temps voulu, lorsqu'il faudra libérer la planète des forces du mal. Les légendes racontent que ce moment arrivera lorsque l'étoile polaire sera dans la petite ours. C'est à ce moment que l'élu du destin retrouvera le message des dieux. Vous savez, il y a très longtemps, j'ai pris conscience que le monde ne tournait pas rond. Et aujourd'hui, on est très nombreux à avoir eu cette prise de conscience et à vouloir que les choses changent. Mais jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, on n'a rien pu faire. On vit dans une époque corrompue. Je ne parle pas seulement de la corruption pécuniaire. Je crois que la pire des corruptions, c'est la corruption des valeurs et la corruption de l'information. Le pire, je crois que c'est la désinformation institutionnalisée. Beaucoup ont essayé de lutter contre le mal de notre époque, mais tous ont échoué. Alors, ils se sont résignés. Par faute d'espoir, ils sont devenus cyniques. Mais ils ont tort, car j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Il s'agit de l'arrivée d'un puissant renfort, un renfort inattendu. C'est le code des pyramides. Le code, c'est une antidote contre le mensonge, contre la corruption. C'est un remède pour reconstruire un monde neuf. La révélation du code des pyramides va nous fournir un moyen d'agir, un moyen à la fois calme, puissant et durable. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe une solution pour changer le cours de l'histoire. Il existe une force bienveillante. Et cette force a toujours existé. C'est juste que dans les époques corrompues, elle a été persécutée et elle a dû disparaître, mais pour mieux réapparaître plus tard. Si aujourd'hui on est dans une époque corrompue, eh bien jadis, il y a eu des époques de pureté, des époques où la noblesse d'âme dominait l'humanité. Et c'est durant ces périodes que cette force bienveillante a pu exprimer sa puissance dans l'architecture et dans l'art. Et c'est dans l'art que se trouve le grand secret, le puissant secret qui permet de sauver le monde de la corruption. Et c'est ce secret que j'ai découvert qu'il m'incombe de vous révéler. Vous savez, s'il existe des forces du mal, c'est qu'il existe en contrepartie des forces du bien. Et ces forces bienveillantes, altruistes, ont profité des époques de pureté, de noblesse d'âme, pour nous transmettre le secret qui va nous permettre de sortir le monde de la corruption. Si vous avez envie de rétablir la vérité, si vous voulez que les choses changent, alors aidez-moi à dévoiler au monde entier le code des pyramides. Vous avez dû remarquer qu'il y a un véritable tabou aujourd'hui autour des pyramides. On ne peut plus évoquer la moindre théorie alternative sans se faire incendier sur les réseaux sociaux. Et puis, il y a également beaucoup de désinformation autour des pyramides. Eh bien, tout ça, c'est à cause du code. Parce que parmi les forces obscures, il existe une toute petite poignée d'initiés qui savent qu'il existe un moyen dissimulé dans l'art et dans l'architecture ancienne de changer les choses.
quand ils détruisent le patrimoine ancien, quand ils mentent sur toutes ces pyramides autour de la Terre, c'est parce qu'ils savent qu'il existe un code qui permet de changer les choses. Et là, actuellement, ces forces de corruption, eh bien, elles s'en prennent avec beaucoup d'agressivité à ce patrimoine ancien. Je veux citer, par exemple, les menhirs de Karnak, mais on peut aussi parler de la pyramide de Nice, détruite dans un silence beaucoup plus important il y a à peu près 40 ans. L'heure est grave, il est temps de révéler le code avant qu'il ne soit trop tard. Ce code des pyramides, il est présent sur tous les continents. Il est présent dans toutes les cultures anciennes de tous les peuples de la Terre. En fait, les pyramides d'Égypte, c'est simplement le noyau du code. C'est ce qui permet de faire le lien avec les autres continents, c'est-à-dire avec les autres morceaux du code. Donc, l'Égypte a ce rôle central de noyau, mais il y a aussi la France qui a un rôle de jointure très important, au moins aussi important que l'Égypte. C'est pourquoi, chers amis, tout ceci se produit en France. Nous avons une grande responsabilité. Nous devons communiquer ce code au monde entier. Nous devons chanter la révélation du code des pyramides. C'est pas pour rien si l'emblème de la France, c'est le coq gaulois. Il faut chanter le code à travers le monde. Il faut qu'il soit entendu partout. C'est seulement comme ça que le puissant secret fera son effet et que les choses vont changer. C'est pour ça que j'ai décidé de lancer cette campagne de crowdfunding, ce financement participatif sur HelloAsso. C'est pour produire trois véritables films documentaires, une trilogie de documentaires pour révéler au monde le code des pyramides. Mon ambition, c'est de réaliser des films qui soient diffusables sur des plateformes de streaming, sur de la vidéo à la demande, des choses comme ça. Et pour ça, il n'y a pas 36 solutions, il faut faire un film d'un rendu technique irréprochable. Et tout ça, c'est largement possible. Je suis en relation avec des artistes, des techniciens de très bon niveau, voire de haut niveau. La seule chose qui manque, c'est le budget pour payer ces professionnels. Donc tout est véritablement possible. L'expérience des précédents petits films que j'ai produits va me servir pour passer un cap. Je vais vous montrer tout de suite un exemple rapide d'illustration animée que je suis en passe de produire. Des illustrations comme ça, je vais avoir besoin d'en produire beaucoup, beaucoup. Donc il faut beaucoup de budget. Mais je vais aussi devoir produire des animations 3D. Et là, ça coûte encore plus cher. Donc voilà, tout est possible. Tout dépend simplement des moyens financiers qui vont permettre de réaliser ces films. Parmi les autres postes de dépenses, il y aura évidemment les voyages, les visites. Il y a beaucoup de sites à filmer, à aller voir sur place. Vous savez que j'ai déjà fait pas mal de découvertes. J'ai craqué le cœur du code des pyramides. Mais il y a encore des branches à retrouver. Vous savez, à chaque fois qu'on va sur place, on trouve toujours beaucoup, beaucoup de choses intéressantes. Et moi, je n'ai pas eu la chance pour l'instant de voyager à travers le monde. J'ai voyagé en France, j'ai fait les découvertes inattendues en France parce que j'ai été sur place, mais j'ai pas pu le faire dans le monde. Là, il va falloir que je voyage dans le monde. Enfin, sachez que personnellement, je ne touche rien. Je vais travailler bénévolement comme je l'ai toujours fait sur cette chaîne Pagan TV. C'est l'association Pagan qui va récolter les fonds qui serviront donc à amortir tous les frais de voyage, de tournage, de matériel, et donc surtout, comme je disais, pour
les prestataires, les artistes, les illustrateurs, les animateurs 3D et tous les autres coûts de production évidemment. Pour nous aider, tout se passe sur HelloAsso, le lien est en description de la vidéo. En échange de votre contribution financière, nous vous offrirons essentiellement des DVD, des versions intégrales des films, bon aussi des affiches et tout un tas d'autres choses. Mais cette fois-ci, je vais produire deux versions par film. Une version qui sera gratuitement diffusée sur YouTube et sur cette chaîne Pagan TV. Et une version payante qui sera la version intégrale dans laquelle il y aura plus d'informations qui sera diffusée au départ uniquement en DVD. Et c'est ces DVD qu'on vous offrira en échange de votre contribution. La version gratuite qui sera diffusée sur YouTube entre autres, je vous rassure, elle sera suffisante à la compréhension, mais je voulais vraiment récompenser les donateurs en leur offrant plus que ce que la gratuité réserve, parce que encore une fois on a besoin de finances pour produire ces films et ça me paraissait logique de récompenser ceux qui y contribuent. Pour plus de détails, allez voir sur la page HelloAsso, lien en description de la vidéo. Mais ce code des pyramides, il est vraiment magique, il est vraiment exceptionnel. Moi, il est en train de complètement me chambouler personnellement, intérieurement. C'est extraordinaire ce code. Je travaille déjà dessus depuis plusieurs mois. En fait, j'ai déjà commencé les préparatifs depuis très très longtemps et le premier opus est déjà bien avancé. C'est pourquoi je pense sortir le premier film dès cet automne. Donc, il ne faut pas trop tarder avant de nous aider. Là, la date de cette première phase de financement, la date butoir, ça se termine début août. Donc, il faut pas trop tarder pour nous aider. Je vais tout faire pour sortir les films relativement rapidement parce que tout simplement, à partir de maintenant, je consacre l'essentiel de mon temps et du temps que je consacre à cette chaîne à la production des films. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel qui nous est légué. C'est, pour ceux qui connaissent l'Edda, la mythologie nordique, c'est véritablement l'apparition de Vidar, le dieu silencieux qui à un moment donné descend de cheval et là il n'est plus silencieux, il agit. Vidar, c'est un dieu extrêmement puissant. C'est vraiment quelque chose qui a été écrit en fait. C'est moi, je suis que le relais, je suis que la personne qui a vu, a compris et va maintenant pouvoir retransmettre. Mais le plus dur reste à faire. C'est pourquoi je vous propose que nous réalisions ensemble la quête du code des pyramides pour sortir le monde de la corruption, pour la vérité et la justice. Je n'y arriverai pas seul. J'ai besoin de vous. Nous pouvons le faire ensemble. Pour ceux qui me découvriraient, je vous rappelle que je suis ingénieur de formation, puis j'ai décidé de me reconvertir en historien d'investigation. J'ai complètement chamboulé ma vie. Je ne voulais plus servir les puissances obscures. Et aujourd'hui, j'en arrive à produire cette œuvre qui sera, je pense, un véritable aboutissement. C'est une quête. Et c'est pour moi la fin d'une longue quête. Cette quête de vérité nous mène finalement à une antidote, à une solution. Et c'est ça qui est vraiment extraordinaire. Merci donc pour ceux qui veulent me connaître plus en détail. Encore une fois, vous allez sur le HelloAsso, vous allez trouver des liens vers ma biographie, vers ce que j'ai déjà fait, ce que j'ai déjà produit. Merci pour votre attention. C'était Oleg de Normandie pour la vérité et la justice.